торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо. На плечо. Равнение направо. Шагом марш. Le défilé est placé sous les ordres du général d'armée Oleg Salyukov. Depuis plus de 80 ans, le défilé des troupes sur la place rouge est ouvert par les tambours de l'école de musique militaire de Moscou. L'école porte le nom du général-lieutenant Valery Kalilov. Les jeunes musiciens donnent le rythme aux troupes qui défilent. En tête des jeunes musiciens, le colonel Alexandre Gerasimov, commandant de l'école. Entrée sur la place rouge, les porte-drapeaux de l'étendard de la victoire, du drapeau national de la Fédération de Russie et de l'étendard des forces armées russes. Les porte-drapeaux sont accompagnés d'une compagnie de la garde d'honneur qui est composée de sections des forces terrestres, des forces aérospatiales et de la marine russe. La place rouge maintenant accueille les élèves de l'école militaire Suvorov, menée par le lieutenant-colonel Sergei Zoritchev. La place rouge accueille maintenant les élèves de l'école militaire Suvorov, implantée dans la ville de Tver. Il y a 75 ans, cette école militaire a été la première à accueillir des garçons qui étaient les enfants de la guerre. La compagnie de l'école défile sous les ordres du commandant de l'école, le colonel Vladimir Lyakov. Durant ces années, plus de 17 000 garçons ont porté avec fierté les traditionnels pattes d'épaule rouges et ce nom d'élève de l'école Suvorov. La place rouge accueille la compagnie de l'école navale Nakhimov, implantée à Saint-Pétersbourg. L'autorité qui défile en tête est le contre-amiral Vladimir Bourakov. Les jeunes élèves de l'école Nakhimov sont héritiers de l'histoire héroïque de la marine russe et s'apprêtent à poursuivre les traditions qui portent les noms de grands amiraux. Les pavés de la place rouge voient défiler les jeunes marins du corps naval des cadets de Kronstadt. C'est la seule école navale de ce type en Russie. La compagnie de l'école défile sous les ordres du capitaine de vaisseau Nikolai Dovbechko. L'honneur de marcher sur la place rouge est confié aux meilleurs élèves, héritiers des grandes traditions de la marine russe. La place rouge voit défiler les élèves de l'école présidentielle des cadets des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie qui est implantée à Moscou.